Cette fois, ils arrivent. Mais ça veut rien dire. Elle a déjà été goudronnée une fois, et puis quoi? Il s'est rien passé. Pour moi, c'est super important le fait que le spectateur, à chaque film, qui ait une vraie expérience pour le spectateur, à la fois une expérience de cinéma, quoi, parce que c'est vrai que le son, ça a été là. Ça a été un vrai pari de cinéma, quoi, parce que c'est vrai que le bruit de l'autoroute, c'est la matière du film, c'est la matière de façon organique, c'est les personnages qui, jour après jour, entendent ce bruit qui est de plus en plus fou, hein. Et puis c'était vraiment, moi je pensais aux oiseaux d'Hitchcock, donc c'est une première voiture, comme ça, on se dit oui, la fameuse voiture bleue, et après il y en a des centaines, après des milliers, et au bout d'un moment, un bruit d'autoroute, c'est un bruit blanc, quoi, c'est comme la mer, donc ça peut devenir même assez... beau, quoi, enfin voilà, et c'est vraiment, ça correspondait pour moi aux attaques dans les oiseaux d'Hitchcock, où il y a tous ces oiseaux qui attaquent, donc il y avait quelque chose comme ça, et c'est vrai que le son, c'est vrai que c'est, enfin pour répondre à la première question, c'est venu assez vite, parce que je me disais, c'est un vrai enjeu de cinéma, moi j'ai travaillé sur les films d'Alain Taner, par exemple, où je coupais la circulation sur les films, on coupe le bruit, et là, on disait moteur, mais moteur, quand je disais moteur, c'était moteur des voitures, c'est-à-dire on lançait les camions, les caravanes, les motos, les voitures, on lançait vraiment toute une figuration voiture au moment où je disais moteur, quoi. Et de l'écriture jusqu'au mixage, le son a été fondamental, parce que moi j'ai écrit même en écoutant des bandes-son d'autoroute, quoi. Donc j'étais, selon où j'en étais dans le scénario, j'écoutais un index avec un trafic moyennement chargé, un autre plus chargé, un autre très très chargé, enfin, donc j'avais, et pour me mettre dans l'ambiance des personnages, quoi, parce qu'ils ressentent cette situation, et c'est vrai que même une fois, je me souviens, j'avais écrit plusieurs scènes, je me suis dit, mais là, il faut une scène de silence, parce que sinon, on va devenir dingue, quoi. Donc j'ai exprès écrit une scène de nuit, où le trou était plus calme, pour reposer aussi, pour avoir du silence dans le film, quoi. Donc dès l'écriture, au fond, la bande-son, c'était presque l'ossature du film, quoi. C'était presque, ça commençait dans le silence, et les premières voitures, ça augmente. C'est très musical, en fait, de créer des moments de silence, après, hop, des moments d'agression sonore, enfin voilà, c'était... au fond, la bande son, oui, ça, c'est presque comme un morceau de musique, quoi. C'est vrai que c'était très, très musical. Et même sur le plateau, on diffusait quand il n'y avait pas de la figuration voiture, on diffusait par moments pour les comédiens et même pour l'équipe technique, hein, comment on porte la voix et tout ça, on diffusait du son d'autoroute, quoi. Sur le plateau, juste avant. On disait, voilà, ils en sont là. Le trafic est à peu près là au moment de l'histoire, pour que tout le monde entende bien. Et même l'ingénieur du son, quoi. Des fois, d'ailleurs, l'ingénieur du son venait me voir, on me disait, mais n'oublie pas, là, il y a X voitures, c'est ça qu'on entend, hein. Donc il faut qu'il porte la voix beaucoup plus. Même pour le comédien, pour jouer, par moments, il doit crier plus, ou porter la voix, ou... Et même, en plus, même à la fin, quand ils sont dans le silence, ce qui est terrible, c'est que l'autoroute est toujours présente par les vibrations. Et le son, c'est aussi un son, une vibration, hein, quand on voit le verre. 7h précise, au volant de sa Volkswagen rouge... Génie, elle est rouge, ma première voiture est rouge. Elle est bleue. Ah, c'est génial, on entend rien. Enfin, Olivier, c'était le jazz. Adélaïde, c'était du heavy metal bien trash. Et puis, Isabelle Huppert, elle écoute la radio nationale. Enfin, c'est une radio qu'on a créée de toutes pièces. Et après, elle écoute plus que Radio Autoroute, où il y a cette espèce de musique absolument immonde. Donc ça, je me suis beaucoup amusée à trouver. Il en reste plus beaucoup dans le film. Je crois qu'il en reste plus, d'ailleurs. Ou deux. Mais de trouver ces musiques d'ascenseur, comme ça. Donc j'écoutais énormément sur Coca Musique. Enfin, des musiques absolument... terrible, quoi. Et donc voilà, et donc c'est vrai que effectivement chaque personnage a presque au fond sa musique, quoi. Ouais. Mais moi c'est vrai que le travail des musiques, ça a été vraiment important, comme dans le film il y a une volonté de mélanger les genres, mélanger les tons, passer d'une scène burlesque à une scène dramatique, de pas avoir peur de ces mélanges, en fait, de jouer avec ces genres. Au niveau musical, c'est pareil, j'avais envie de mettre du heavy metal trash et juste après du bac, quoi. Enfin voilà, je me disais, voilà, c'est aussi le pari du film, quoi, de ne pas avoir peur d'être dans les musiques, d'être très éclectique, de passer, oui, du heavy à Bach, à Nina Simone, à Django Reinhardt, enfin, au Young Gods, enfin voilà. Et donc c'était une volonté de mélanger les styles, les genres, ce qui était pas évident, en fait. Comme ça, on se dit, oui, une musique comme ça et ça, mais en fait, avec le monteur son, ça a été un travail énorme, en fait. Pour que tout ça tienne, que ce soit pas du chaos non plus, qu'il y ait un sens, que ça soit équilibré, jusqu'où l'invasion du heavy metal allait. Par exemple, on a dit, non, mais là, on va retirer le heavy metal, on va le mixer très très bas, même si c'est pas réaliste. Enfin, voilà, il y avait des vraies questions sonores tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'ailleurs, le mixeur, qui est un très grand mixeur, m'a dit que c'était le film le plus compliqué à mixer de toute sa vie, quoi. C'était... ouais, c'était un énorme travail, mais c'était passionnant, hein. C'était vraiment passionnant, ouais, parce que, ouais,
Donc voilà, donc les musiques, en fait, il y a eu un énorme travail. Donc moi, j'avais accumulé plein de musiques que j'avais envie de mettre dans le film. Donc des choses très différentes. Et puis c'est vrai que sur la fin, j'avais des manques. Enfin voilà, pas la musique de fin, j'arrivais pas à la trouver. Donc j'avais mis à un moment donné un morceau de Billie Holiday, mais ça rapprochait vachement par rapport au père. Le fait que c'était du jazz, donc je me suis dit c'est peut-être pas bien. Puis comme la musique de fin, je voulais que ce soit une voix féminine par rapport au personnage de la mère. Et Billie Holiday, enfin voilà. Et puis c'est Franck Beauvais qui m'a fait écouter Nina Simone. Je me suis dit voilà, c'est ça quoi. C'était évident. Et donc voilà, donc Franck Beauvais et Édouard Dubois m'ont aidé à l'étape finale. C'était des toutes petites choses, Edouard, ce qu'il a amené, c'est vraiment des petites touches musicales par moment. C'est pas forcément des gros morceaux, mais voilà, c'était juste la finition, quoi. Voilà, les dernières petites choses. Le gros du travail, c'est moi qui l'ai fait avec le monteur son. Et à la fin, Franck et Edouard, Edouard dans la musique classique et Franck dans la musique plus rock, m'ont un peu aidé. Je veux pas partir.